ça sincère de vouloir tout savoir. Regarde dans l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, t'as le droit de manifester. Mais il y a des pays où on se ferait coffrer. Dans ces endroits, on est mis en prison. On est le droit à la protestation. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit? Le monde entier. L'humanité mérite
la sécurité, la sérénité et l'égalité. L'égalité. Un monde sans dictature, okay. Sans torture ni censure. Vous tous et les enfants, les femmes et les hommes, faites le maximum pour que l'humanité ne soit pas jugée pour ses idées. Pour que l'humanité ne soit plus injustement accusée. Ne laissons pas de place, ni pour le racisme, ni pour le sexisme. Hein. Ne laissons pas de place, ni pour l'esclavage, ni pour le carnage. Ne laissons pas de place à la discrimination et aux condamnations. Okay. Laissons la place aux libérations et aux bonnes actions. Bonnes actions. Luttons ensemble pour une égalité. Égalité. Dans le monde entier. Luttons ensemble pour la liberté. Liberté. Et contre la pauvreté. Luttons ensemble contre les injustices. Okay. Luttons ensemble pour la justice. Luttons ensemble pour l'écoute. L'écoute. La paix et le respect. Luttons ensemble contre la guerre. Car nous n'avons pas un cœur de pierre. Luttons ensemble pour l'éducation. L'éducation. Nous ne sommes pas des pions. Okay. L'éducation est un droit, pas un privilège. Nous avons tous le droit de manger, de manger, de boire, de boire, et de se loger. De manger. Ce sont les droits, droits, droits de l'homme, droits, 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 droits de l'homme, que le monde entier peut s'engager à respecter. D'avoir des amis et de voyager. Ce sont les droits, droits, droits de l'homme. Droits de droit, droits de l'homme. Le monde entier doit s'engager à respecter. Nous avons tous le droit d'exprimer nos idées sans avoir peur, 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 peur. D'être injustement emprisonné, de perdre notre liberté. Ils nous mettent des pieux dans le cœur. Ce monde est un vrai film d'horreur. Dans notre école, lol, lol. Nous avons tous le droit à la parole, lol, lol. Ce sont les droits, droits, droits de l'homme, droits, droits, droits de l'homme, que le monde entier devrait s'engager à respecter. Dans notre école, les bénévoles, on se mobilise pour que les droits humains soient respectés dans le monde entier. Oui, pour que les droits, droits, droits de l'homme, droits, 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 droits de l'homme, soient respectés dans le monde entier. Je ne sais pas.
J'ai le droit de me soigner, d'aller chez le docteur ou à l'hôpital. On a le droit d'avoir une famille, on a le droit d'avoir un foyer ou loger, on a le droit de vivre et voilà, on a le droit d'aller à l'école. Le droit, c'est de pouvoir faire des choses, mais en même temps, tout en respectant aussi les lois et les choses que l'on ne peut pas faire. Vous pouvez me donner un exemple d'endroit ? Alors, on peut avoir par exemple le droit d'étudier, le droit d'aller à l'école. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire peur, on ne peut pas être maltraité. Est-ce que tu manges tous les soirs chez toi ? Oui. Les droits, c'est des choses que les gens ont dans le monde dans lequel on vit, qui sont toujours associés à des devoirs. Je pense que si on fait bien ses devoirs, pas que les devoirs à l'école évidemment, eh bien on a aussi le droit d'avoir des droits. Ouais. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Les journaux nous permettent de nous informer sur le monde. Il y a aussi la radio pour s'informer. On peut s'exprimer en faisant des manifestations. On a tous le droit d'être jugés et de parler. Tout le monde a le droit de donner son opinion. Tous les êtres humains sont égaux, malgré leurs différences, par exemple, leur couleur de peau, leur sexe, leur religion, leur langue. Alors vous êtes les quatre instits artisanes qui vous êtes donné à fond dans ce projet. Lemina, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? L'investissement des enfants. Ils ont donné énormément, plus que ce qu'on imaginait. Le projet s'est construit en partie grâce à eux. Et en fait, totalement, grâce à eux, c'est eux qui ont tout fait. Donc on est super fiers. Enfin, moi je suis super fière. Toi Valérie, qu'est-ce qui fait d'après toi que les enfants sont autant investis ? Ils évoluent dans une école où il y a beaucoup de tolérance, où il y a la multiculturalité, donc il y a une ouverture vers le monde qui est toujours au cœur de nos projets depuis tant d'années. Et l'action Amnesty, on l'amène chaque année. Et on est vraiment très fiers d'avoir pu célébrer ce grand événement avec l'école. Toi Martine, c'est quoi ton espoir ? Qu'est-ce que les enfants vont faire de tout ça finalement ? Alors moi j'espère que tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils ont dit, toutes les idées qu'ils défendent, ils vont les mettre en pratique, mais surtout aussi les transmettre. J'espère aussi que tout ce qui a été filmé aujourd'hui va pouvoir sensibiliser un public beaucoup plus large que celui de notre école pour que ça ait un impact sur un vrai changement dans le monde. Toi, Marine, tu y crois ? Est-ce que vient de dire Martine ? Bien sûr que j'y crois. J'espère que tout ce projet, toutes ces valeurs, ça va les suivre tout au long de leur vie et que c'est quelque chose dont ils vont se souvenir pour longtemps. Je pense que c'est important et primordial dans l'éducation d'avoir des projets comme ceux-là, vraiment. Yeah.
Pourquoi vous avez fait tout ça? Parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés pour les trucs qu'ils n'ont pas fait. Vous trouvez ça juste? Non. Vous avez envie de vous battre contre ça? Oui. Vous imaginez que parfois, peut-être un peu plus tard, quand vous serez plus grand, vous pourrez signer par exemple des pétitions hein, pour qu'on dise aux autorités des pays qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne veut pas que ces personnes aillent en prison? Oui. Vous êtes prêt à faire ça? Oui. Génial. Merci. De rien. Vous êtes content d'avoir fait ça? Oui. Fier de vous? Oui. Ouais, qu'est-ce qui vous rend fier? Des gens sont prisonniers parce qu'ils ils ont rien fait. Et vous avez envie de les aider? Oui. C'est magnifique, les filles. Merci. Vous avez retenu de quoi de tout ça? Que notre enfant a bien fait ça. Ouais. Ah oui. Et quoi d'autre encore? On est content d'avoir ça pour les gens qui sont emprisonnés de façon illégale. Ok. Et vous aussi, vous avez envie de dire que c'est pas juste, que c'est pas normal? Oui. Super, les gars. Il y a des gens qui sont en train de lutter pour que des personnes qui ont été emprisonnées illégalement, comme ils ont dit, ça ne se pas très bien. Et donc, on est en train de les aider pour essayer qu'ils sortent. Et par exemple, nous, à l'école, on a fait des dessins pour envoyer à ceux qui sont emprisonnés pour les soutenir. En quoi ça les soutient, tu crois? En quoi ça les aide? Ça va ouvrir les yeux aux autorités que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et que des gens du monde entier sont au courant de ce qu'ils font. Ouais, exactement. Et puis, imagine si tu es en prison, effectivement, ça doit faire plaisir hein, de recevoir des cartes du monde entier comme ça, de plein d'enfants. Oui. Merci les filles. Bonjour à tous, nous voulons vous présenter les droits humains. Nous avons besoin de vous pour faire respecter les droits humains. Nous essayons d'arrêter la maltraitance, le racisme, la violence, l'esclavage et d'arrêter de faire travailler les enfants car ils ont le droit d'aller à l'école comme nous pour apprendre. Nous allons vous raconter l'histoire d'Amnesty International par une bande dessinée. Nous terminerons la présentation par une création de rap. Nous avons créé la BD d'Amnesty International dans le but de faire comprendre aux gens que dans certains pays, les droits humains ne sont pas respectés et que nous devons tout faire pour qu'ils le soient. Là, on a fait Peter Benenson, donc le créateur d'Amnesty International, que vous ne savez pas, qui se balade à la gare de Londres le 10 novembre 1960. Il commande un ticket pour le train et il entre dedans. Dans le train, il lit le journal et il apprend que deux étudiants portugais ont été emprisonnés simplement parce qu'ils avaient fait un toast contre la liberté. Et alors, il réfléchit encore pour trouver une solution pour eux. Et il finit par trouver. Il écrit un message contre la dictature portugaise et contre surtout les gens qui ont été emprisonnés. Qui voyage à travers l'Europe
et qui finit par arriver jusque au Portugal, justement. Et le dictateur portugais finit par prendre une décision. Et finalement, les étudiants portugais sont libérés et tout le monde est content, ils font la fête. Et voilà, et ce 10 décembre, on va fêter les 75 ans. Miha se fait haga et ses parents ne l'écoutent pas. Angoissée, stressée, elle a choisi de fuguer. Après tout, son avis n'a jamais compté. Le cœur rempli de douleur, l'esprit en fureur, elle a pris la moto de son père, direction la mer, noyée dans ses pensées suicidaires. Son regard perdu se balade sur la plage, les pieds dans le sable, elle aperçoit un visage. Ça ne peut pas être lui, c'est sûrement un mirage. Qui sont-ils ces enfants, séparés par le temps, éloignés, isolés, ils aimeraient se retrouver, loin des yeux, près du cœur, à fuir tant de douleurs, ils voudraient à tout prix avoir une meilleure vie. Raïm a quitté son pays, les bombes faisaient trop de bruit, trop de victimes et trop de cris, la peur imposée par les fusils. La mer comme seul échappatoire, la mer comme seul espoir, son radeau dérivant au gré du vent, le voilà arrivé clandestinement et sans argent. En ce moment, il marche sur la plage, sans nourriture, sans parents et sans bagages. Comment garder le sourire quand la vie nous impose de survivre? Sous le ciel gris, il aperçoit une ombre s'approcher de lui. Il la reconnaît, sourit, mais s'évanouit. Qui sont-ils ces enfants? Séparés par le temps, éloignés, isolés, ils aimeraient se retrouver, loin des yeux, près du cœur, à fuir tant de douleurs, ils voudraient à tout prix avoir une meilleure vie. Ils se sont retrouvés après toutes ces années, frères et sœurs, chemins différents, mais unis par le sang. Ensemble, ils sont prêts à faire face maintenant. Quelqu'un les a trouvés et leur a offert une aide inespérée. Miha se sent écoutée, Raïm en sécurité. Qui sont-ils ces enfants, séparés par le temps, éloignés, isolés? Ils aimeraient se retrouver, loin des yeux, près du cœur, à fuir tant de douleurs. Ils voudraient à tout prix avoir une meilleure vie. Chaque enfant a des droits. À vous de les respecter. Chaque enfant a le droit, à vous de les respecter. Je trouve que vous avez été merveilleux. Franchement, je le dis avec mon cœur, parce que c'est merveilleux tout ce que vous avez fait. C'est merveilleux aussi parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des vrais combats que vous aviez en vous, et que vous aviez envie de témoigner par toutes sortes de choses, par des dessins, par des chants, par du rap, par les capsules vidéo que vous avez faites. Enfin bref, tout ce qui vous convenait. Mais en tout cas, ça a été merveilleux et vous avez été merveilleux. Alors moi je vous propose juste une chose, c'est que vous vous applaudissiez, mais alors super fort. Moi je veux qu'on l'entende à l'autre bout de Louvain-la-Neuve. Ok ?